Ouais, c'est pour tout vous dire, on a un peu le match de Bayonne encore en travers, mais ce soir les garçons ont montré une bonne réaction, une bonne et une belle réaction. Donc ce soir on est fier de l'équipe, on est fier de d'être Rochelais. On avait la sensation à la fin quand je faisais la pénalty que vous pouviez le faire, enfin, que les joueurs allaient le faire, le stade était convaincu. Comment vous avez vécu ces derniers instants pour un bonus offensif? C'est un peu fou quand même face à Bordeaux. Ouais, après. C'est anecdotique, faut vraiment, mais voilà, le fil du match, on l'a bien construit, on a bien respecté notre cadre de jeu. Et puis on a eu la cerise à la fin, ouais, c'était plutôt une belle fin de rencontre. C'est anecdotique, mais on l'a vu l'an dernier, le moindre point compte. Prendre un point contre un concurrent direct, en plus qui était deuxième à égalité avec vous, là, bon, c'est un peu plus que de l'anecdote quand même. Parce qu'en plus, ouais, avant cette dernière action, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions, notamment quand Willy est sur la touche là, qu'on perd et que Willy, on prend une pénalité contre nous. C'est vrai que voilà, on a tapé et ça s'est ouvert. Donc c'est plutôt bien pour l'équipe et même pour le groupe. Rémi Piquet voit encore des étoiles ou tout va bien? Enfin, moi, je me pose un peu des questions aussi. On nous parle beaucoup de sécurité du joueur. Moi, pour moi, c'est clairement pas un plaquage, c'est clairement pas. Rémi s'est fait agresser, il a pas. Le joueur qui l'a agressé s'est pas fait sanctionner, donc je trouve pas ça normal. Apparemment, il est rentré sur la Il va pelouse. mieux, ouais, il va mieux. Vous attendiez les joueurs, vous attendiez une réaction, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez sans doute plus loin et ne plus avoir une réaction après ce qui s'était passé à Bayonne. J'imagine que vous voulez ce minimum d'intensité toutes les semaines maintenant. Voilà, on est. Après, voilà, on parle de standards et d'exigences. Depuis Marseille, ben, notre club a changé. Donc, nous aussi, nous aussi, maintenant, on attend beaucoup des joueurs et on est exigeant avec eux parce qu'on sait qu'ils peuvent le faire. Donc, voilà, notre but, c'est de les pousser chaque semaine à tirer le meilleur d'eux. Donc,